Salut à tous et à toutes, bienvenue pour un nouvel épisode de Papy Corse Éclate sur Arc Survival. Il est 19h58 et nous sommes le samedi 23 novembre 2019. Et c'est parti pour l'aventure. Ok Google, tu me mets une alarme dans 20 minutes. D'accord, pour quand est l'alarme? Dans 20 minutes. Ok, non, très ça bien. C'est bon. Votre alarme est réglée à 20h18. Ok, ça marche. Ouais, il y a le mouton qu'on attend, l'agneau. Donc l'agneau, normalement, c'est dans 15 minutes. On va voir. Il n'y en a qu'une qu'on a pu mettre. Je sais pas si c'est celle-là. C'est celle-là dans 20 minutes. Voilà, dans 20 minutes. Donc, tiens, ça tombe bien parce que Google, dans 20 minutes, elle me réveille. Et puis, je vais voir l'agneau. Donc, il me faut une cryo sur moi. Donc, allez, hop. Allez, on active un petit peu là, parce qu'on doit aller chercher un rex femelle au niveau. Donc au niveau, ça veut dire à partir de 95. Voilà, c'est pour faire des petits. Purée, un rollback. Ça fait comme ça. Hein. Toujours de l'anglais, évidemment. Allez, c'est parti. Alors ça, on va fermer la porte, on va sortir l'aigle, je te fais. Voilà, hop. On fait de la place. Je sais pas c'est lequel, c'est peut-être pas tout net, ça je sais pas. Hop là, voilà. On va déjà sortir une cryo, c'est ce que j'aurais dû faire avant. Allez, on va prendre les tout petits. Alors, voyons voir, ça c'est quoi? Ça c'est Dung Beetle, c'est quoi ça? Dung Beetle. Ah, c'est un bousier, Dung Beetle. D'accord. Ça c'est quoi? La chatina. Ah, tu m'as mis tout ça là-dedans. Alors petit yeti, je prends. Jumeau 1. Combat fils. Jumeau 2. Et il me manque le yeti. Le yeti, c'est pas ça, non? Non, ça c'est Dimétrodon. Il est où mon yeti? Oh oh. C'est ça, non? Dimétrodon. Je l'ai pas pris, non? Baby, petit Yuti, ouais, je peux toujours le chercher, hein, évidemment. Pff, je l'ai pris. Il me manque quelque chose. Oui, le Megatherium. Voilà, le Megatherium. Ok. Voilà, j'ai 5 petits. Donc ça, c'est bon. Ok, ça roule. Allez, go. Allez, on va sortir déjà l'aigle, pas le jumeau, le combat fils. Ça, je le sors. Voilà, commence à être bien le tout petit là. Ok, c'est bon, impeccable. Donc 34%, est-ce que t'as ce qu'il faut là-dedans? T'as ce qu'il faut. Ok, super. Bon, ça c'est bon. Ensuite, on va sortir l'aigle. Combattant. Ah, j'ai pas mis sur Twitch. Salut Zeus, comment vas-tu? Il y a longtemps, dis donc. Tu vas bien, Zeus? Tu passes un bon week-end, j'espère. Voilà, ça c'est bien. Ok. Allez, on avance tout doux, hein, sinon ça va. Ça va. Ah, t'as un bisou de Patricia. Ouais, je rate ton créneau à chaque fois, ça va être... Ouais, excuse-moi, Zeus. Mon créneau, c'est je joue quand j'ai envie de jouer. C'est ça, Zeus. Ouais, ça va, t'as le bisou de Patricia. Voilà. Alors, voyons voir, lui, il va me suivre. Le thé. Purée, je l'ai loupé. Allez, viens. Normalement, c'est un suivi faible. Purée. Il se remet en suivi normal à chaque fois, lui. Distance de suivi moyenne, apparemment. À chaque fois, tu le mets en cryo. Allez, hop, t'avances un petit peu. T'as le bisou de Zeus. Alors, voyons voir. Autre option, désactiver le suivi. Voilà, là, tout petit, ça va être mon combattant. Ça va être plus agréable avec un que t'as élevé, hein, quand même. Hein.
Donc il a pris en nourriture, je crois, lui. Hein. Pas terrible. Hein. Nourriture, ah non. Ah non, c'est moi, ça. Quel bœuf. N'importe quoi. Accéder à l'inventaire, c'est le E. J'avais appuyé sur le I. Voilà, il a pris en nourriture hein, 10 600. Donc, tous les niveaux qu'il prendra en cryo, je vais lui mettre en attaque. Il faut que je me retrouve mes 1000% en attaque. Arrivé à 1000, je lui mettrai de la vie. Hein. Ah ouais, l'attaque, c'est bien ça. Quand je vois, a besoin qu'on prenne soin de lui, dans 6 heures, je prends peur. Pourquoi ? Non, non, je le mets dans cryo et puis après, ça arrête. Ça arrête, voilà. Une fois que tu mets en cryo, il n'y a plus de problème. Par contre, si tu mets un animal en gestation en cryo, tu le ressors une heure après ou deux heures ou le lendemain ou dans trois jours, il perd sa gestation. J'ai eu le cas avec mes agneaux. Voilà. Donc, quand c'est en gestation, il faut que tu sois à côté. C'est pour ça que j'ai mis un... Je croyais que quand on arrêtait le jeu, qu'il n'y avait personne qui jouait sur le serveur privé. Avant, c'était comme ça. Le jeu s'arrêtait. Les animaux, ils n'avaient plus faim. La gestation, ça s'arrêtait. Il y a tout qui s'arrêtait. Les fruits et légumes, ça poussait plus et tout. Voilà. Tant qu'il n'y avait personne qui jouait, tout s'arrêtait. Et là, apparemment, ils ont changé. Pour la gestation, il faut être là. On dirait qu'elle est plus grosse. Non, c'est une aphénoptique. Hein. Non, c'est pareil. Okay. Non, on dirait que la plus gros vente, elle. Alors ça tombe. Hein. Je sais pas. C'est le cas quand tu éteins le serveur, mais il reste allumé. Non. Bah là, non, je viens t'expliquer. Ils ont changé. Quand tu éteins le serveur, normalement, avant, tout s'arrêtait. Et maintenant, éteindre le serveur quand il n'y a personne qui jouait. Hein. Et les jours, ils continuent. Avant, ils ne continuaient pas. Tu l'arrêtais à 4000 jours, tu rallumais deux jours après, il était toujours à 4000 jours. Tout s'arrêtait. Et là, maintenant, ça continue. Ah bah, je sais pas, c'est peut-être un truc dans Verigame qu'il faut changer, mais moi, ça m'a changé ça tout seul. Hein, parce qu'avant, je t'assure que... C'était comme ça. Là, je mets de l'essence à faire fondre et tout, je mets mon pétrole. L'autre fois, bah, la climatisation... J'ai laissé allumer avec une centaine de pétrole dedans. Je l'ai rallumé le lendemain. J'ai dit, qui c'est qui a allumé Patricia, c'est toi. Elle me dit, non. Ça a marché toute la nuit et j'avais moins de pétrole. Ah ben moi, ça me le fait, Zeus. Ah ça, c'est clair. Regarde. Et je te mens pas, Zeus. Regarde. Celui-là, je l'ai mis à naître avant de sortir ce soir. Donc, il était vers 16h, je crois. Hein. 16, non, il est, ouais, c'est ça, vers 16h. Vers 16h et ça met 4 heures, hein, 4 heures, tu vois. Regarde, il me reste plus que 13 minutes. Et Kaiser, il n'a pas été joué. Patricia et moi, on n'a pas été joué. Personne n'a été joué. Hein. De toute façon, on n'est plus que 3 à pouvoir jouer. C'est Kaiser, moi et Patricia, il n'y a que nous 3 qui avons le code. Donc, tu vois, regarde, ça a continué. Hein. Et les jours, non, j'ai pas noté les jours. 4246, donc oui, ça a augmenté un petit peu aussi. Que c'est Verigame qui fait ça, il doit relancer le serveur automatiquement. Ouais, bah non, peut-être que je ne l'ai pas éteint ou j'ai fait un truc. Entre personnes connectées et serveur. Ah ouais, non, le serveur n'est pas éteint. Hein. Non, c'est quand il n'y a personne qui va jouer dessus, Zeus. Voilà, par exemple, je quitte là, il n'y a personne. Normalement, le temps, il s'arrête. Maintenant, si j'arrête le serveur, oui, d'accord, là, je te rejoins. Si j'éteins le serveur, plus personne ne peut aller jouer. Hein. Kaiser, il ne peut pas aller jouer. Hein. Ouais, d'accord, ok. Non, là, je te rejoins. Salut à Detoxit. Donc, c'est normal, oui. La pause a été enlevée sur les serveurs, ça a provoqué des... Ah, donc, d'accord. Donc, il n'y a pas longtemps, Zeus. La pause, d'accord. Ok, parce qu'avant, ça ne le faisait pas, ça. Ok. Ah ouais, non, que ça soit clair, monsieur. Ouais, mais si j'éteins le serveur, ouais, mais bon, après, moi, si je m'en vais une semaine, je l'éteins, Kaiser, il ne peut plus jouer. Non. Il y a une bonne année quand même. Ça va, Détoxite, sinon. On est en train de parler du serveur en pause et tout. Voilà, donc dans 11 minutes, j'ai le mouton, l'agneau. Je vais ressortir un petit haut, là, impeccable. On va sortir le petit Megatherium. C'est celui-ci.
C'est une femelle en plus, ça va nous faire des bons petits après elle. Ah, j'ai pas pu là. Là non plus. Voilà, ça y est, c'est fait. Donc lui, il a besoin de la viande. J'en ai pas sur moi. Je vais en prendre un petit peu là. Je vais lui donner ça. Voilà. Ouais, pour faire de la place. Hein. Bon, bah c'est bon, il prend déjà tout ça. J'ai la cryo pour l'agneau, c'est du tout bon. Ok, impeccable. Bah ça va, tranquille, le détoxique, ouais. Je pas pris soin des bébés. Ah ouais, depuis 3 ans. Ouais, si t'avais pas éteint ton serveur, laisse tomber. Hein. 3 ans. J'ai un mode qui le fait à ma place. Ah bon? Et le dingo, le glouglou, il a bougé ou... Non, non, il est près de la base encore. Il y en a 2 ou 3 des toxiques. Ouais, ouais, on fait grave de, justement de ne pas le toucher, sinon il va nous faire la misère. Donc voilà, donc ça c'est bon. J'ai mis les aigles là. Donc je vais me préparer pour aller voir pour un T-Rex. Alors le T-Rex, c'est les croquettes jaunes, hein, c'est ça? Il me semble que c'est les croquettes jaunes, hein. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre une arbalète légendaire. Hein. Je vais prendre 200 flèches narcos. J'en ai aucune là. Comme ça, c'est bien. Donc, je vais en faire. Hein, je m'en fous. C'est pas ce qui manque. Voilà. Des fléchettes tranquillisantes. Allez. Je vais peut-être les garder pour les trucs balèzes, non? Non, c'est. Non, je peux pas les faire. Moi. Bon, je vais prendre ça avec un fusil long. Avec une lunette de visée inhabituelle, ça je crois. Allez, on va prendre ça. Voilà, on va mettre ça dedans. On va mettre les flèches. On va faire des narcos. Structure plus, d'accord. Ah non, moi je fais pas tout ça. Moi je fais le plus rapproché à l'officiel. Donc on est en x2 sauf l'élevage. Parce que j'ai pas réussi à le mettre en x2 sur Verigame. Enfin, je crois que tu étais là quand j'essayais de le faire, Zeus. Tu m'avais donné même des choses à faire que j'avais fait. Et rien à faire. Donc je vais faire. Oui, des pots de narcos, il me faut. Attends, je vais regarder si j'en ai pas dans le pilon. Oh non, j'ai que dalle là. Bon, allez, il y a une armoire pour. Branchage, là ça doit être ça. Il m'en faut donc 200 pour faire 200 flèches. Voilà, ça va me faire de l'expérience, ça. Voilà. Voilà, 200 flèches. Allez, roule. Donc je l'endors. Je sais pas si je vais aller à la neige. Faut que je prenne mon manteau de fourrure, sinon je commence à être blindé là. Il va me falloir des baies pour le petit. Bon, on va prendre un manteau de fourrure quand même. Allez, capuche, chaussons. Pantalon. Veste. Voilà. Est-ce que j'ai les 5? 1, 2, 3, 4. Non, il manque quoi? Il manque les gants. Il manque les gants. Les gants en fourrure. Je vais peut-être me mettre en métal. Ah, les gants, ils sont là. Voilà. Ça, au moins, j'ai. Merci, Detoxic, pour bon appétit. Ouais. Je joue en x10, ultra modé et PVE, on est genre totalement opposé. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, non, moi je fais pas au x10, non. Hein. Ouais. C'est mon fils, il a été invité à jouer sur un serveur. Il était en x100 ou en x50. Il met un coup de pioche, il pouvait plus bouger. Enfin, je vois pas l'intérêt. Après, x10, ouais, ça peut être. Bon, tu mets quand même un coup de pioche. On est dans récolter 6, t'en as 60. C'est sûr que.
Ouais, non, sérieux. Hein, il avait, je sais plus, il avait un million de vies ou 10 000 vies, 10 000 points de vie. Enfin, c'est un truc. Bah, il l'a fait sur son Steam, hein, sur son Twitch. Hein. J'ai regardé ça. Bon, j'ai regardé qu'un épisode parce que franchement, moi, ça m'intéresse pas. Non, là, c'est vraiment en 50 ou x 100. Enfin, c'était quelque chose d'énorme. Énorme. Bon, même lui, ça y a pas plu après. Hein. Je pense qu'il a arrêté, mais. Bon. Ouais, mais non, mais c'est. Non. C'est comme si t'allais voir un film au cinéma et ils te disent la fin avant de. Non. Ouais, même pas. Non, ils viennent plus, non. Alors. Rem, il jouait pas, mais il était toujours présent et on se fendait bien la poire, mais j'ai plus de nouvelles. Depuis juillet ou août, j'ai plus de nouvelles, je sais pas. Il y en a pas un qui m'a dit, ouais, je l'ai vu sur un chat ou machin comme. Non. Donc ça nous inquiète un peu, quoi, pour Rem. Paco, je me fais pas de soucis pour lui. Hein. Il a été voir ailleurs, il joue ailleurs, voilà, il a un plus gros niveau que moi, et tant mieux pour lui. Hein. De toute façon, il pouvait pas rester à mon. Personne peut rester à mon rythme, hein, celui qui découvre le jeu comme il a fait Paco. Il a appris à jouer avec nous et bah voilà, c'est l'élève qui dépasse le maître entre guillemets, hein, bien sûr. Hein. Et voilà, après il a voulu du gros que moi je pouvais pas fournir, donc il a été voir ailleurs, et puis tant mieux pour lui. Hein. Et puis c'est lui qui va m'apprendre, hein, si un jour il peut me donner des conseils sur les Wanagarm, les Wanaganofo et tout ça. Au contraire, hein, voilà, pour Paco. Hein. Ouais, il y a beaucoup, ils sont partis, hein, des toxiques. Il y a beaucoup, beaucoup. On n'a plus de nouvelles. Bon. Après, bon, bah, voilà, hein, c'est peut-être caractériel, c'est peut-être parce que des obligations, ou, voilà. Hein. Mais des fois, il y en a qui viennent, voilà, tiens, bonjour vite fait, tout va bien, et puis voilà, ça faisait 6 mois que je n'avais pas vu. Hein. Bon, c'est bizarre, non, chacun une vie, hein, pas de problème. Hein, mais pour Rem, ça, c'est ce qui m'inquiète le plus, c'est pour Rem, ouais, ouais. Paco sur mon stream, mais pas revu depuis non plus, ouais. Bon, tout ce que j'espère, c'est qu'ils aillent bien, quoi, tout simplement. Voilà, que la santé, elle est toujours aussi bonne. C'est tout ce que j'espère pour eux, quand même. Hein. Voilà. Bon, bah, j'ai mes 200 flèches, moi. Hein. Je suis content. Ouais, bah attends, j'ai l'agneau bientôt, moi. Ouais, je vais avoir l'agneau, ouais. Et là, je vais être là pendant quand il naît, hein. Puis je le cherchais et puis le prendre, parce que. Normalement, il devrait être visible là. Hein. Allez, on va sortir un des jumeaux. Hop là, impeccable. Ils se positionnent bien en plus. C'est génial. Donc, eux, ils mangent. Voilà, ce sont des juvéniles. Ils mangent directement la mangeoire. Tandis que eux, non. Eux, il faut que je les. Lui et puis l'autre là, le Yuti. Ouais. Le Yuti, c'est pour bientôt. Bah, j'espère que tout va bien pour eux, quoi, des toxiques. Bon, on aura, j'espère, des nouvelles un jour. Ah, Dev, bah oui, on n'en parle plus de Dev, hein. C'était avec Rem qu'on parlait de Dev. Hein. Paco, ouais. Ah ouais, Dev, oh là là là. Je sais pas si t'étais là avec la tenue rose que j'avais passée à Tino, là, le cousin de Paco. Hein. Ah, c'était fou, ça. Très très bon souvenir. Bon, ça c'est bon. Donc j'ai mes flèches, j'ai ça. Je vais peut-être prendre du manger. Des fioles rouges. Donc du manger, hein, ça il en faut. Des fioles rouges. Je crois que j'en avais mis là, j'en avais 10. Ouais, c'est ça. Pour augmenter la vie. Moi, je vais enlever mon cuir et puis je vais m'habiller en ferraille. Hein. Non, je le connais pas en vrai, non. Je ne connais personne en vrai. Le plus que je me suis rapproché où j'avais leurs adresses et que je n'ai plus, de toute façon, je ne les garde pas, les adresses, c'est ceux qui ont gagné les deux premiers gagnants du quiz Papy Corse. Non, je connais pas en vrai, non, j'en connais aucun. Il y avait Pauline dans la région parisienne et il y avait, je sais plus comment il s'appelle, tu vois.
où je leur ai envoyé les cadeaux parce qu'ils sont arrivés premiers. Et les deux autres, apparemment, c'était des Corses, ils ne voulaient pas me donner leur adresse. Bon. Et c'est pour ça que j'ai arrêté Papy Quiz parce que j'avais des gagnants, mais ils ne m'envoyaient pas l'adresse. Donc j'ai arrêté, j'ai dit, bon, c'est pas la peine. Mais les adresses, je les ai même plus. Hein. Moi, je les garde pas. Hein. C'est pas. C'est ça, le Quizark, tout à fait, Zeus. Voilà. C'est les plus proches que je connais puisque j'avais leurs adresses et que je leur ai envoyé le cadeau chez eux. Voilà. Ok, Google, tais-toi. Mais sinon, non, j'en ai vu aucun. Ah, si, j'en avais vu un. Je sais même plus son nom, c'était 2B. Hein. Il y avait son nom 2B, donc j'avais travaillé avec lui au drive. Voilà. Il avait vu mon quiz et il était venu et voilà, il m'a touché un petit peu. Et après, bah, j'ai plus de nouvelles. Mais sinon, tous les autres, là, je ne connais pas perso. Moi, j'aurais loué une chambre chez toi, j'adorerais voir la Corse, mais bon. Bah, tu viens quand tu veux, Zeus. Il n'y a pas de problème. Hein. Justement, je suis en plein travaux, là. Je rajoute un WC parce qu'on avait un WC pour 5 chambres. Et là, on en fait un autre. On fait des nouvelles douches. On fait quelque chose de sympa. Hein. Franchement, là, ça coûte bonbon, là. Justement, on est en plein dedans, là. Tu me parles de ça. Tu vas en refaire des... Ouais, j'aimerais bien refaire des quiz, ouais, des toxiques. Ouais, j'aimerais bien, tu vois. Ça, c'est des bons moments aussi que j'avais passé. On rigolait bien, hein. Ça, c'est clair. Donc là, attendez, hein, parce que... Oh, j'ai pas de baies, tu peux me ramener des baies? Ouais, des baies. À moins que j'en ai... Oh, purée, je suis coincé dans les moutons. Attends, là, je suis au mochop, là. Je vais voir s'il n'y a pas des baies dans la mangeoire. Mais j'en sais rien, faut aller en chercher. Ouais, j'en ai pas du tout. Bah, au mouton, à l'agneau. Ça y est, il est là. Je l'ai. Élevé bébé 90. J'appuie oui. Voilà. Accepté, je mets pas de nom. Tu donnes à manger. Vas-y, super. Voilà. Ok, c'est bon. Je peux le cryopoder. Ou j'attends qu'il soit 0,1%, je sais pas. Qu'est-ce que t'as fait quoi, toi? Allez, Ouais, c'est une femelle, ça. Allez, je cryopode. Tu sais comment faire pour avoir plus de viande sur les moutons quand tu les tues, papy? Je crois que c'est avec la pioche. Hein. Il faut tuer les agneaux et à la pioche. Et tu en as énormément. Après, si tu as quelque chose... non, il fait... Hein? Ah ouais, c'est un hôtel chez toi. Non, ce sont des chambres privées, des toxiques. J'en ai 9. Et comme dit Zeus, faut passer par Airbnb ou en direct. C'est moins cher en direct parce que vous n'avez pas les frais Airbnb. Hein. Avec la tronçonneuse? Oui, mais faut leur mettre tout leur level en poids. C'est ça, la tronçonneuse? Ouais, mais ici, on n'a pas de tronçonneuse. Il faut que je débloque Scorch. Ah ouais, non, je savais pas. Hein. Franchement, je savais pas. La tronçonneuse, il faut mettre les niveaux sur le poids. Bon, on va mettre les niveaux sur le poids et quand je débloquerai Scorch, pourquoi pas. Voilà, Baby Evis. Donc, ça fait le... On en a 4. Hein. On a 4 moutons. 5. On a 5, 6. 6 agneaux. Super. La tronçonneuse, tu verras, c'est abusé. Ah ouais, il y en a plein alors. D'accord. Ah, tu m'as connu grâce à ça. Ah, au quiz, d'accord, ok, Zeus, ok. Ouais. Ah ouais, c'était cool, hein. Moi, j'aimais bien. Je vais en ressortir un. Voilà. Hop là. Ok. Donc toi, tu vas me suivre de loin encore, je suppose. Ouais, c'est ça. Distance, il perd son truc moyen. Bah, pourquoi tu viens pas? Ah, voilà. Ah, ouais.
Il faut venir souvent hein, au quiz, hein. Faut venir toute la semaine. Ah ouais. Mmh. 70 moutons en x3 avec la tronçonneuse, tu m'étonnes. Oui, ça fait comme Pauline. Pauline, c'était pareil. Hein. Elle était première et tout, elle n'osait pas répondre parce qu'elle répondait toujours la première. Et quand elle ne pouvait pas venir, elle le faisait par son iPhone dans le métro parisien. Ah, tu travaillais, tu ne pouvais pas venir. Bah, justement, Pauline a travaillé, mais elle venait avec son iPhone. Et elle répondait aux questions. Mais elle était balèze, hein, elle savait s'en servir parce qu'elle allait voir Dododex pour voir combien il fallait de branchages pour faire un mur. Et c'était des questions comme ça au début hein, sur Arc. Après, c'était des questions un peu globales. Hein. Voilà, je vais peut-être en faire. Je vais voir. Je vais peut-être me servir de Google aussi, je sais pas. Par exemple, je sais pas moi. Ok Google, pose-nous une question. J'espère que je n'aurai pas besoin d'utiliser le coup de fil à un ami pour vous répondre. Quelle est votre question? Ah, quelle est la capitale de la France? Paris est la capitale de la France. J'ai faim? Ah, merci. Non, mais je voudrais que ce soit Google qui me pose une question. Donc, je sais qu'il y a, il y a un jeu comme ça. Donc, voilà. Pourquoi pas? Je sais pas. Non, Google, de te raconter des blagues. Ouais, bah, c'est des blagues pourries qu'elle nous raconte. Hein. Ok, Google. Raconte-nous une blague. Une blague? C'est parti. Monsieur et Madame Stiquet ont une fille. Comment s'appelle-t-elle? Sophie, car Sophie Stiquet. Demande-lui de te chanter une chanson. Ah non, elle va me faire une cantine. J'ai déjà demandé, Zeus. Ok, Google. Chante-moi un rock. D'accord. Écoutez cette station de rap sur YouTube Music. Hein? Ok Google, tais-toi. Ah non, elle m'envoie sur une station, laisse tomber. Ouais, salut Rexo, comment vas-tu? Et une fois que c'est fait, demande-lui de te chanter la... Ah non, 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 il faut le faire dans cet ordre. Ah ouais, non, 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 je ne vais pas chanter la Marseillaise, moi, je suis pas nationaliste, Zeus. De toute façon, tu t'en doutes. Hein. Tu te doutes, je crois que tu seras une des seules à mieux le connaître, mieux me connaître, hein, Zeus. Non, Marseillaise, c'est pas mon truc. Hein. Ouais, c'est ça que je voulais faire. Merci de m'avoir suivi. Rendez-vous au prochain épisode. Ciao, bye bye.